Hey les gars, ça y est, on est enfin en vacances les gars. Bon, ok les gars, je vous avoue, la musique est pas trop adaptée à la situation. Du coup, on va prendre une musique un peu plus appropriée. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh putain les gars, limite ça me donne une larme à l'œil cette petite chanson. Franchement, c'était beau. Yo, what's up les lamas, j'espère que vous allez bien, car moi je pète vraiment la forme les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT16. Où on va participer à une nouvelle compétition éphémère qui dure seulement 24 heures. Là actuellement il reste 7h40 de temps pour la tester. Et donc cette compétition c'est la Lups of Coal. Je sais t'as kiffé mon accent anglais, mens pas t'as kiffé mon accent anglais. Bref les gars, cette compétition donc est disponible 24 heures. Et la simple condition pour y participer c'est tout simplement d'avoir au maximum 75 de collectif. Étant donné que moi je suis en pleine construction de ma squad builder, que j'ai à peine la moitié de mon équipe, il y a beaucoup de mésententes avec certains postes. Donc du coup évidemment on n'a pas les 75 de collectif. Donc on va pouvoir participer à cette petite compétition les gars. J'espère que ça va vous plaire, on va essayer de ramener une victoire. Et pourquoi pas remporter le trophée les gars, soyons fous. Pour vous en vidéo, c'est parti. Et bien évidemment les gars, si vous êtes un nouveau sur la chaîne, que vous kiffez les vidéos sur FIFA, les vidéos où on rigole bien et la bonne humeur, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. Et la petite nouveauté les gars, pour ceux qui ont Twitter, si vous allez presque tout en haut de la description, il y aura un lien marqué avec RT cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous faites tweeter et comme ça les gars vous partagez ma vidéo en moins de 10 secondes les gars. C'est hyper rapide, ça me ferait vraiment plaisir. Et vous pouvez me suivre sur Twitter les gars, je suis hyper actif, je suis tout le temps, je vous réponds, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va être juste ouf ces vacances à vos côtés. Ou à poster plein de vidéos sur FIFA et plein de vidéos délire. Donc voilà l'équipe. Pour l'instant comme je vous le disais elle n'est pas complètement construite. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 joueurs qui feront pas partie de la BPL. Il y a 2 joueurs je pense que je vais garder qui seront pas quand même du championnat anglais dans l'équipe. Ce sera Itourbe. Donc là j'ai mis en MC mais qui est AD à la base. Les gars j'avais pas d'autres joueurs. Et aussi Atem Ben Arfa donc que je mettrai en MD, qui est plutôt pas mal niveau vitesse et niveau dribble. Donc je vous fais une petite présentation rapide de l'équipe. Donc à part le défenseur droit, gauche, le MDC et le gardien, ils sont tous de première ligue quasiment. Donc j'ai mis Kurt Zuma de Chelsea en défense centrale, en MG, même si c'est un MD vu qu'il est rapide et qu'il a une bonne frappe, je me suis permis de le mettre. J'ai mis Ibarbo. En MOC j'ai mis Payet. Et les deux BU les gars, j'ai mis Martial et Falcao. Et puis donc le petit Itourbe qui est AD mais que j'ai mis en MC pour ce petit match. Donc j'espère que ça va le faire. C'est une équipe qui m'a coûté pour l'instant pas trop cher. Ça reste à compléter, sachant qu'il y en a qui vont virer et qui vont revenir. Je pense qu'il y a moyen de faire vraiment une belle équipe. Comme vous pouvez voir, le logo de l'Olympique de Marseille est toujours présent. Et les deux maillots évidemment aussi, intérieur-extérieur, enfin domicile-extérieur plutôt. On va jouer face à Olosk en plus. Donc je vais prendre le maillot là, il est plutôt pas mal. Moi je le trouve bien beau. Ah c'est pas mal, c'est pas mal les gars. Sa petite équipe là, il a fait une Ligue 1. Hormis un joueur de Chelsea en MC, un espagnol. C'est pas Cazorla je crois. Donc il a Ruffier, Hilton, il a Van Der Ville. Ouais, il a quand même une bonne équipe. Ça va être dur mais on va essayer de faire quelque chose sur cette équipe de ISFC. Donc comme on voit, et moi je suis la machine évidemment. Alès les gars, c'est lui qui donne le coup d'envoi. On va essayer de faire un bon résultat et de bien rentrer dans cette compétition de la Lups of Coal. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de faire ma foi un bon résultat. Et pourquoi pas décrocher la coupe. On va sortir les gars. Voilà, on sort de la balle. On continue la course, on va essayer d'aller centrer. On dribble, on va essayer d'aller centrer les gars. On va centrer. Est-ce qu'on met la tête? Est-ce qu'on met la tête? Ah, il ouvre sa tête. C'est pas grave, on continue. Et il joue bien en passe, il joue bien collectif. C'est plutôt dur là pour l'instant de jouer contre lui. Mais bon, nous faut aussi qu'on rehausse notre niveau de jeu là et qu'on essaye de bien jouer collectif et de bien appuyer les passes surtout. On va faire sortir un joueur sur lui. Oui. Oh là là, ah là là. Ah les gars, il y a faute pour moi là, parce que j'ai cru qu'il me sifflait un penalty. Hier, il m'a sifflé un penalty vraiment injustement. Et j'ai été obligé de faire match nul à cause de ça. Match que vous verrez d'ailleurs peut-être en vidéo. Oh là là. Oh là là, on a eu chaud. On a eu chaud les mecs, là, faut vite qu'on dégage la balle. Allez, on y va avec Martial. On y va avec Martial. On décale. On revient sur nos pas. On joue sur l'aile. On essaie de prolonger. Ah, on n'arrive pas. On n'arrive pas, on est mauvais. On n'arrive pas à jouer, là faut vraiment se remettre dedans là parce qu'on est vraiment pas bien. C'est parti, on rentre dans la surface, on essaie de rentrer. On centre, le petit centre et la tête. Est-ce que la tête va aller? Non, ça veut pas. Ah, là, là. Ouh, les gars, ça passe pas loin la frappe. On le fait monter avec Falcao. C'est Falcao, la fin de frappe de Falcao. Oh là là, c'est un coup franc les gars, là. Là les gars, il y a moyen de mettre le coup franc. Là faut qu'on trouve le bon tireur, pourquoi pas. Non, on va mettre un gaucher.
On va mettre un gaucher, les gars. Est-ce que j'ai un gaucher dans l'équipe? Il tourbait, ouais, il est peut-être pas mal. On va mettre Ben Arfa. On va mettre Ben Arfa et on va voir. Il y a Valbuena dans son équipe. On va pouvoir faire comme ça. Wow, il est parti loin. Et celui-là, il est parti à Hawaii, les gars. Faut faire sortir le gardien. Faut faire sortir le gardien. Faut faire sortir. Non, je le mets contre mon camp. Elle y était pas. Ah, Ben Arfa en plus. Non, t'es dans mon équipe aussi. Tu peux pas me faire ça. Je le mets contre mon camp. Elle y était pas. Allez, on intercepte. Est-ce qu'on intercepte? Oui, les gars, on intercepte, évidemment. Voilà. Et puis, évidemment, on perd la balle comme ça. Y'a faute, les gars, sur Enfoul. Y'a faute, là. Voilà, le petit carton jaune qui fait plaisir pour l'adversaire. Heureusement, donc, Lamine Sané qui prend le petit carton jaune, la défenseur central. Allez, faut pas se faire avoir. Faut pas se jeter. Faut pas se jeter. Voilà, on s'est pas jeté. On a récupéré la balle. C'est parti, on monte en puissance. Y'a faute, c'est bien ce qu'il me semblait. Encore un carton, là, monsieur l'arbitre. Ah, il veut pas. Si, il met le carton. Il met le carton jaune. Carton jaune pour Grégory Vanderbilt. Allez les gars, oui on marque, est-ce qu'on marque? On n'a pas le droit, on loupe le deuxième but qu'on aurait pu mettre là, c'était cadeau, on n'avait plus qu'à la pousser au fond, on loupe ça, on n'a pas le droit, 75e minute là ça commence vraiment à être dangereux, et la défaite s'approche de plus en plus là. Regardez, puis là je vais prendre un but, voilà, allez vas-y, les pauvres têtes à la con avec ces joueurs d'1m50 là, ça m'énerve, ça y est, voilà je suis énervé. Et voilà, et on s'incline contre cette... Allez nique ta mère, ça m'énerve les gars, c'est pas possible, ça m'a énervé, ça y est. Bon voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin, là vraiment je suis énervé, là je sais pas pourquoi j'ai perdu, j'ai fait de la grosse merde, je perds sur un but que je mets contre mon camp, là franchement les gars je suis vraiment déçu de moi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma performance, si pour finir elle était pas si mal, mais moi franchement je me suis trouvé hyper nul, n'oubliez pas de liker la vidéo, explosez-moi cette barre de pouces bleus les gars, si vous voulez plus de vidéos, si vous en voulez pourquoi pas, une par jour, sur FUT les gars, je vais vraiment le donner à fond pendant ces vacances, dites-moi en commentaire si vous en voulez, et bien évidemment partagez la vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur Skype, même sur votre Skyblock si vous en avez un, ça me ferait super plaisir, et bien évidemment si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car là le contenu il va être lourd, 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 de chez lourd, et moi je vous dis à bientôt, ciao les gars.